la directrice exécutive de Jigen Sénégal et initiatrice de l'Université Féministe d'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est un mouvement mondial basé sur une idéologie égalitaire axée sur la justice sociale. Une idéologie qui se veut, comme j'ai dit tout à l'heure, égalitaire et qui met les femmes au centre des préoccupations et qui tout simplement s'attaque à un système social considéré comme étant un système d'oppression que nous appelons un système patriarcal. Alors être féministe, c'est être une militante de la justice sociale. Aujourd'hui, au lancement officiel donc, de l'Université Féministe d'Afrique de l'Est et du Centre, qui est une initiative de Jigen Sénégal et du collectif des féministes du Sénégal. Et je parlerai également pour l'ensemble des militantes féministes du Sénégal. Donc, cette université allie deux thématiques essentielles. Il s'agit de la question de la recherche, l'innovation, mais également quels sont les défis de la co-construction de notre mouvement en Afrique francophone. Donc aujourd'hui, nous avons réuni des militantes, des chercheurs, des femmes universitaires pour discuter de l'avenir de l'approche féministe, également quelles sont les interactions entre l'approche féministe et même l'approche de la recherche classique, mais également comment mettre en avant une dynamique intergénérationnelle pour construire ensemble un mouvement très fort en Afrique francophone.